le profond traumatisme d'un peuple autant humilié en ère des Congo. Nous devrions mettre un coup d'arrêt à cette stupide folie de ces parvenus qui sont arrivés au pouvoir par un concours de circonstances malheureuses, pour ne pas dire par un accident de l'histoire toujours provoqué par les mêmes, telle une rengaine. Et je vous assure qu'il y a là, mais de quoi péter les câbles pour celui qui n'a pas suffisamment les nerfs solides. Oui, il y a là de quoi se mettre en colère contre cette race d'individus, et pire encore, de ce type d'hommes qu'ils ont choisi comme leurs valets pour nous faire boire la tasse de leur turpitude et surtout de leur ego surdimensionné. Ce qui pousse et me pousse à me demander si effectivement l'humanité a un problème avec la présence de l'homme noir ici-bas. Je crois qu'il y a là un très sérieux problème à voir de la façon qu'on nous traite par les autres. Je vois bien que nous ne sommes pas mis sur le même pied d'égalité, autant par la dite communauté internationale que par le reste de l'humanité, qui font tout pour que nous n'ayons point voix au chapitre et surtout sur ce qui se passe, même de plus affreux chez nous, mais de toujours être là comme des ombres en vadrouille qui n'ont rien à dire et pour lesquels on décide de tout et plus souvent dans des contraintes les plus humiliantes. Pour ne prendre ici que le cas de la République démocratique du Congo, un cas qui dépasse l'âme et tout entendement et me révulse au point même de choquer le diable. Revulsé à un tel point contre cette race d'individus et toutes leurs institutions de pacotille qui ne sont nobles que par la forme, oui, mais la forme de leur texte. Mais bien au fond, il n'en est rien par les valeurs qu'elles sont censées représenter. Oui, par ces valeurs qu'elles sont censées défendre. Et pour ma part, au vu de tout ça, je les mets dans le même sac, oui, ces troublions et leurs troubles faits, que j'entends nommément cités, pour qu'il n'y ait point d'ambiguïté dans l'esprit de tout un chacun d'entre nous. La politique, un terrain aussi glissant que la religion, et la religion, un terrain aussi incertain que la foi, tant qu'on ne sait pas trop mais de quoi on parle, et certains courants de pensée philosophique qui jouent aux apprentis sorciers tant qu'il faille nous endormir pour nous maintenir dans une nouvelle forme de colonisation qui n'est autre que
de l'esclavage. Revenons sur le cas de la République démocratique du Congo, où tout le monde joue au poker menteur avec quelques têtes de turc qui se croient là mais bien plus intelligents que le peuple congolais. Mon Dieu. À croire que la MONUSCO avait élu domicile en République démocratique du Congo que pour soutenir le pouvoir en place, celui de Joseph Kabila. Et par ce que nous voyons à travers toutes ces révélations, que cela ne laisse plus le moindre doute. Comment est-ce possible que l'Organisation des Nations Unies, par cette branche de la MONUSCO, a pu s'empêtrer et s'impliquer dans ce génocide, mais à ciel ouvert, en République démocratique du Congo, et qu'ils essaient, mais par tous les moyens, de faire passer pour des massacres, soit interethniques, ou simplement qui font l'objet de quelques rébellions par-ci, par-là, là où ils ont encore bien péché, une fois de plus, c'est mais d'avoir reconnu de facto une élection qui n'a jamais été à son terme et dont, curieusement, ont donné des résultats par la force et le courage du mensonge des gens aussi stupides qui parviennent tout de même à nous faire mais avaler la pilule du mensonge. J'ai parfois là mais du mal mais à tout bien comprendre. Troisième point, ils ont maintenu tout de même Kabila au pouvoir par un jeu d'alliance aussi stupide que sordide, oui, que sordide, que criminel, sur une supposée élection qui a tourné au fiasco, pour ne pas dire au vinaigre. Cette logique de mensonge a été couronnée par la dite communauté internationale, qui a toujours joué un jeu trouble fait au Congo, alors qu'ils ne font là que fissurer de plus belle la nation congolaise pour sans doute la conduire tout droit et de force à une balkanisation, mais tout annoncée. Et si nous continuons à nous laisser tant faire et à accepter l'inacceptable, bientôt, vous savez, nous n'aurions plus que nos larmes pour pleurer. Et quatrième point, un Kabila qui nargue le peuple congolais par des virées en bande organisée dans les avenues de Kinshasa. Toute une défiance en bonne et due forme au peuple congolais. Ce qui en dit long sur l'homme et sur son état d'esprit, pour ne pas dire ses intentions, et surtout sur de ses alliances extérieures qui ne l'ont mais jamais lâché. Jamais je ne me suis senti aussi humilié et je ne pense pas que je sois aussi bête que ça et qu'on voudrait nous faire passer aussi. Oui, je me sens tellement humilié et je ne pense pas que nous soyons aussi bêtes qu'on voudrait le faire croire. Cinquième point, un président nommé qui entre là, mais dans la danse, est fort de ses alliances contre nature, qui ne le dérange au point
et pas le moins du monde. Une logique à perdre son latin. Même Machiavel n'aurait pas pu faire aussi mieux. Voilà des gens qui sont suffisamment persuadés qu'ils sont là, mais bien plus intelligents que le peuple congolais. Voilà que prix entre le marteau et l'enclume, et ne sachant plus à quel sein se vouer et comment sortir de cette situation. Oui, comment sortir de cette bourde? Voilà qu'il décida de lever ses conseillers au rang, pour ne pas dire au même titre que les ministres, ce qui n'a jamais été fait au monde. Et montre aux yeux du monde qu'il y a là quelque chose qui cloche. Pour moi, les choses n'ont jamais été aussi claires. Un conseiller et un ministre n'ont pas les mêmes prérogatives, sauf au Congo, des mafieux. Soyons clairs, s'il vous plaît. La République démocratique du Congo a à sa tête deux présidents, un formel et un informel. Et vu que les choses se corsent, oui, vu que les torchons brûlent, les stratégies entrent en jeu, pour ne pas dire en vogue, pour ne pas perdre la lame. D'où le gouvernement bis des conseillers élevé au même titre que les ministres, c'est juste une belle pirouette pour tirer là son épingle du jeu. Il nous reste plus qu'une chose. Oui, il nous reste plus qu'un choix à faire. Et c'est l'article 64, le soulèvement populaire. La République démocratique du Congo est véritablement gouverné par une bande de mafieux dont nous devrions vite nous débarrasser avant qu'il ne soit là trop tard. Le peuple congolais est pris en otage par cette bande de mafieux et fait là une grosse tache d'huile sur la conscience humaine. Et en même temps, décrédibilise l'Organisation des Nations Unies, aussi met en mal toutes les croyances religieuses et politiques, mais aussi ces notions de valeurs par lesquelles on nous a longtemps endormi. Je n'ai de croyance, vous savez, qu'à partir de ce que je comprends et non de ce qu'on voudrait me faire comprendre. Bien que je sache que de nos jours, l'argent corrompt aussi facilement l'homme et Kabila joue là-dessus pour avoir été aussi bien corrompu par ses soutiens extérieurs. Et voilà qu'on s'entoure pour avoir été dans une aussi bonne école. Ils ont fait bon usage en corrompant toute la classe politique congolaise, tout au moins celle qu'il a mis en place. S'il y a vraiment un Dieu dans ce monde,
Il doit certainement être en chacun de nous, et plus particulièrement dans ceux qui sont portés réellement par la bonne foi, et non dans ces églises où on joue à la politique de l'autruche et de ceux qui font de l'argent leur Dieu. Pardonnez-moi, mais j'essaie de comprendre tout en réfléchissant. Je vous avoue que ce n'est pas une chose aussi facile. Mais tout au moins, je reste persuadé que Dieu est en chacun de nous, comme je l'avais dit, contrairement à tous qu'il nous raconte ici et là. Comment peuvent-ils encore continuer à parler de Dieu après tout ce qu'ils font subir au peuple congolais et surtout au peuple noir de par le monde? S'il vous plaît, cessez donc de nous prendre pour des cons. Nous aimons autant ce monde que vous, et vous le savez aussi bien que nous, à cette seule différence que vous faites fi de ne rien voir. Ce qui est encore plus blessant, pour ne pas dire traumatisant. Et pour ne pas prendre en compte ce qui se passe, et nous faire passer pour des moins que rien, ce qui en vrai n'est pas le cas. Chaque jour qui passe aurait pu sans doute me rendre plus amer, plus acide, me rendre de plus en plus malheureux et sans doute plus en colère, mais non. Mon cœur étant que cela ne fait que me rendre de plus en plus fort, tellement qu'il y a encore tant de choses à faire ici-bas pour ramener certains d'entre nous à la raison. Ils ont beau nous maltraiter, nous humilier, voire nous tuer, mais jamais nous ne deviendrons comme eux, au point de mettre tout le monde dans le même sac. Voilà des gens qui nous parlent d'une conscience, mais d'une conscience qu'ils n'ont point, et passent là, mais tout leur temps à nous faire de leçons de morale, alors qu'au fond, ils savent bien qu'ils sont bien loin de nous égaler en la matière. Bien qu'ils obtiennent tout de nous par la contrainte, pour ne pas dire par la force, je suis un homme plus que déterminé. Oui, un homme décidé à mieux faire et à rendre ce monde bien plus meilleur sans autant passer par la compromission. À bon entendeur, salut. Au-delà des mers, un jour
une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une fois, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une fois, qui cherche sa voie par la croix. Mais une fois, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une fois, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion.